À Séoul, c'est la fête, peut-être la plus importante pour les Coréens. On célèbre les ancêtres et c'est l'occasion pour les familles de partager la journée ensemble, assister à des spectacles de musique, d'acrobatie et de jouer eux-mêmes les anciens jouets de la tradition. Les dernières traditions dans un pays de béton, des portables hyper technologiques au lieu des maisonnettes aux toits à pagode. Mais ce n'est pas à moi de comprendre ce qui se passe et qui trouble la société coréenne. Combien les mœurs liées au confucianisme cognent dans les changements et l'élan vers les modèles occidentaux. Il paraît que les mariages avec des étrangers sont rares et souvent pas bien vus par la société et la famille surtout. Mais voilà un couple mixte. Il fait quoi ce mec à Séoul? Il y a aussi un Français au Bevon Guesthouse, âgé 45 ans peut-être, cuir années 80, style babacool. Sa jeune copine coréenne la conduit ici et là, il demeure, comme dans un camping, bière, cigarette et l'ordinateur sur l'escalier. L'Atalante, Jean Vigo. Peut-être il y a aussi Amélie, là. Cantando aria, studiamo italiano. Il y a de la musique, là. Il y a les textes. Texte. Et la musique aussi. Aussi. Voilà. Que la vigosa la chada male no credete pupile care ne me perjoco ne me perjoco. Joa합니다. C'est à dire en Italie. Mi piace qualcuno, qualcosa. Par exemple, nanen Maria를 좋아합니다. Mi piace Maria. Nanen mi 좋아합니다. Piace Maria를 Maria. Je vais vous montrer.